Bonjour. Comme promis, aujourd'hui, on va faire la première vidéo du roman au film. Il y a actuellement deux films qui sont sur les écrans, qui sont tirés de romans et que j'ai vus parce qu'il y en a bien d'autres sûrement, mais je ne les ai pas vus et je n'ai pas non plus lu les livres dont ils sont tirés. Donc le premier dont je veux vous parler, c'est Les Gardiennes d'Ernest Perrochon, qui est édité aux éditions Marivaux. C'est un livre qui est paru en 1924, après la guerre de 14. Ernest Perrochon était instituteur, et comme tous les gens de sa génération, et les écrivains en particulier, il a été très marqué par la guerre, et il a écrit de nombreux romans pour parler de la guerre, des difficultés qu'on a rencontrées dans les campagnes au moment de la guerre et après la guerre aussi. Et il a écrit ce livre, Les Gardiennes, pour rendre hommage aux femmes, aux paysannes qui ont maintenu les exploitations en activité alors que les hommes étaient au front. Alors le livre, je l'ai acheté avant d'aller voir le film, parce que je voulais le lire avant pour voir quelle était éventuellement la différence entre le livre et le film. J'avoue qu'un livre qui est paru en 1924, à une époque où Ernest Perrochon a eu beaucoup de succès littéraire, puisqu'il a obtenu pour un de ses ouvrages le prix Goncourt. Mais un auteur de cette époque-là, qui est aujourd'hui assez oublié, moi, je ne le connaissais que par des dictées que j'ai fait à l'école communale enfant, où on avait de temps en temps des textes qui étaient tirés de ses livres en dictée, mais je n'avais jamais entendu parler de ses livres, je n'avais jamais rien lu de lui. Donc j'avais un peu peur que cette littérature ait mal vieilli, et j'ai eu une heureuse surprise. Le livre a bien vieilli et il se lit encore très bien aujourd'hui. Si vous aimez les romans de terroir, je vous le conseille vraiment. Moi, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai aimé l'histoire, le personnage de l'héroïne principale, Hortense, qui est une femme qui a déjà un certain âge et qui est une femme qui a un caractère très volontaire, très dur, et qui maintient l'exploitation à bout de bras et qui pousse chacun à aller au bout de ses forces pour pouvoir continuer à produire et à soigner les animaux dans cette ferme. J'ai beaucoup aimé aussi le pays où ça se passe, puisque ça se passe dans la Sèvre new-yorkaise, ce qu'on appelle aujourd'hui pour les touristes la Venise verte. Et il y a une description de cette Venise verte absolument intéressante. Et entre autres, il y a une très belle scène d'amour où les amoureux sont dans une barque qu'ils laissent dériver au fil des canots. Il y a une très très jolie scène. Et l'eau, les canots jouent un rôle important dans le livre. Et c'est intéressant. C'est intéressant aussi de voir dans ce livre ce que... Le fait que les femmes doivent s'occuper des travaux des champs pour lesquels elles n'ont pas toujours la force et pour lesquels les instruments aratoires ne sont pas construits, ils sont construits pour des gens plus grands que les femmes de l'époque et plus forts. Donc ça va amener une mécanisation de l'agriculture qui n'existait pas auparavant et les femmes vont être pionnières dans ce domaine et ça c'est bien montré, bien expliqué dans le roman et c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que va provoquer l'arrivée de l'armée américaine qui vient en renfort, parce que dans la région où ça se passe, il y a un camp de soldats américains qui sont stationnés là et qui va provoquer un petit drame d'ailleurs dans le roman. Ça, c'est très très intéressant. Ce qui m'a plu aussi dans ce roman, c'est que bien, ce sont les femmes qui sont les héroïnes. Il y a énormément d'écrivains qui ont écrit sur la guerre de 14 et ses conséquences, mais tous ont écrit sur ce qu'ont vécu les hommes dans les tranchées, qui étaient certes très difficiles et très tragiques,
mais personne n'a écrit un roman dont seules les femmes soient les héroïnes et expliquaient ce qu'elles vivaient à l'arrière. C'est ce que dit l'universitaire qui a fait l'introduction que les éditions Marivol ont publiée en préface du livre, que lui, c'est le seul livre qu'il connaisse dont les femmes sont les héroïnes et où on montre comment les femmes ont elles-mêmes participé à l'effort de guerre, quelque part. C'est vrai qu'on nous parle souvent des femmes qui travaillaient dans les arsenaux et dans les usines de munitions, ou qui travaillaient en ville à remplacer les hommes, à conduire les tramways, à livrer les colis. Mais ce qui se passait dans les campagnes, c'est vrai que moi aussi, c'est le seul roman que je connaisse qui parle de cela. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce roman aussi, c'est que j'ai retrouvé quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui parce que on est tous très individualistes, on est tous soucieux de son épanouissement personnel. Mais moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses, ça m'a rappelé mon père. Mon père, qui était quelqu'un de très ambitieux et de très volontaire aussi, un peu comme le personnage d'Hortense quelque part, il travaillait pour la famille et la grandeur de la famille. Et dans sa tête, il avait des plans tout prêts pour assurer cette grandeur, cette pérennité, ce succès, cet enrichissement de la famille. Et pour lui, c'était très très important. Et je pense que c'était hérité de l'état d'esprit que l'on avait à cette époque-là dans les campagnes, puisque mon père était d'origine paysanne. Et là, j'ai retrouvé ce souci de la gloire de la famille, l'importance de la famille, l'importance de la bonne renommée de la famille, de la protéger contre les candidats, contre les médisances, et puis aussi les plans que le chef de famille, parce qu'Hortense, bien qu'elle soit une femme, c'est le chef de famille, c'est le chef de la tribu, on le voit très bien dans le livre, donc les plans qu'elle fait pour permettre à la famille de prospérer, de grandir, d'acquérir encore plus d'influence dans le village et dans le pays. Donc j'ai retrouvé ça, que j'avais totalement oublié personnellement, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, c'est plus tellement quelque chose qui nous soucie. Chacun est soucieux de son épanouissement personnel. Bon, bien sûr, d'élever ses enfants, mais c'est réduit à la famille, le mari, la femme et les enfants, éventuellement les grands-parents, mais ça ne va pas plus loin. Et là, on voit comment cette femme, Hortense, a fait ses plans pour ce qui va se passer après la guerre et permettre à sa famille de connaître un épanouissement, une notoriété. D'ailleurs, elle compte beaucoup, malheureusement, sur un de ses fils qui va mourir à la guerre. On va voir que c'est un gros chagrin pour elle, mais elle le surmonte avec beaucoup de courage et aussi de dureté, parce que ça va l'endurcir encore plus qu'elle ne l'est au départ. Et elle fait des plans, entre autres, pour marier son fils cadet, Georges le préféré, avec la jeune femme, la fille du boulanger, puisque Georges ne va pas hériter du domaine agricole, puisque le domaine agricole est confié au mari de la fille aînée qu'il exploite, et apparemment les terres ne sont pas suffisamment grandes pour être partagées en deux ou en trois. Et donc le fils cadet, Georges, veut être boulanger. Il a d'ailleurs, avant la guerre, commencé son apprentissage auprès du boulanger du village. Et c'est là d'ailleurs que la jeune fille du boulanger est tombée amoureuse de lui. Et elle est très touchante, cette jeune fille, parce que son père est engagé sous les drapeaux au début de la guerre. Et avec son jeune frère, c'est eux qui vont maintenir la boulangerie en activité et absolument s'user au travail, qui est un travail bien trop difficile pour deux enfants aussi jeunes, pour fournir du pain à toute la population, le livrer. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant et touchant, et je pense que ça a été inspiré par une anecdote véridique à l'auteur. Donc, j'ai beaucoup aimé le livre. Par contre, je suis ensuite, immédiatement après avoir lu le livre d'ailleurs, allée voir le film de Xavier Beauvais, et j'avoue avoir été un peu déçue. Non pas que le film soit mal,
Ce que je vous recommande, si vous voulez lire le livre et voir le film, c'est de faire l'inverse de ce que j'ai fait, à savoir d'aller voir le film d'abord, parce qu'il faut dire que le film est un bon film. Il y a des très belles images, entre autres, certaines évoquent les tableaux de Millet, où on voit les paysannes aux champs en train de semer, ou des photos de l'époque, de la guerre de 14, que l'on voit dans les livres d'histoire. Il y a des très très jolies images. Les acteurs jouent bien, les dialogues sont bien faits, c'est extrêmement bien fait. Par contre, si on a lu le livre avant, effectivement, on est un peu déçu par le film, parce que bien déjà, pour faire un film, il a fallu, et il fallait le faire, c'était pas possible autrement, simplifier beaucoup l'intrigue, et du coup, on a aussi supprimé des personnages, et en particulier, moi, des personnages que j'aimais, entre autres, il y a un personnage d'un jeune adolescent que sa mère n'arrive plus à canaliser, et qui est un personnage que j'ai adoré et qui est absolument extraordinaire, donc qui a disparu. Et ce qui a disparu aussi, et que moi j'ai aimé, c'est que le film n'a pas été tourné dans la région de Niort et n'a pas été tourné dans la Venise verte. Il a été tourné ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas vu au générique. Mais en tout cas, dans un endroit où il y a des champs, mais pas d'eau. Et donc, j'ai trouvé ça dommage. Le réalisateur a voulu remplacer ces passages en faisant promener les jeunes gens dans la forêt, dans un endroit de la forêt où il y a un dolmen. Mais je trouve que ça ne donne pas le même charme que ce qu'il y avait dans le livre, à leur scène d'amour. Et j'ai été déçue donc, de voir que c'était tourné ailleurs. Et puis aussi, alors le reproche essentiel que je ferai à l'adaptation cinématographique du roman, c'est que le personnage d'Hortense est loin d'être une femme aussi forte et aussi dure que l'Hortense du roman. C'est quelqu'un de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus doux. La façon dont elle est jouée par l'actrice, ça vient peut-être aussi du tempérament de l'actrice. Par contre, La fille de Johnny Hallyday qui fait la fille d'Hortense, elle, je trouve qu'elle était bien choisie comme actrice parce qu'elle est très distinguée, très belle par rapport aux paysannes qui l'environnent et c'est exactement comme le décrit le roman. Et elle est assez fidèle au personnage. Alors qu'Hortense, c'est vraiment une femme trop douce, pas assez dure, trop sensible. C'est trop différent du roman, ça. Et puis, il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on a supprimé l'histoire des petits boulangers et on a fait de la jeune fille qui est amoureuse de Georges, en fait, la belle-sœur, la belle-fille d'Hortense. Et du coup, on ne comprend pas très bien dans le film les sentiments qu'elle a pour Georges, alors que dans le livre, elle a des sentiments très forts. Quand elle s'aperçoit qu'il en aime une autre, elle se laisse carrément mourir. Donc ça n'existe plus dans le film, et c'est aussi dommage, et même pour la compréhension finalement un peu de l'intrigue, parce qu'on ne comprend pas vraiment, on pense que c'est un amour d'enfance, mais on ne comprend pas vraiment la violence de ses sentiments. Par contre, dans le choix des acteurs, j'ai beaucoup aimé l'actrice qui fait la jeune servante, Francine. Elle est exactement comme j'imaginais cette héroïne. Vraiment, elle est très très bien choisie, elle a un jeu très intériorisé, elle est vraiment formidable dans le rôle. Donc, comme je vous le dis, c'est un bon film. Mais finalement, j'ai, pour ma part, regretté qu'il ne soit pas plus fidèle au roman. Et du coup, j'ai été quelque part un peu déçue. Donc, si vous voulez aller le voir, ne faites pas comme moi. Allez voir le film d'abord et lisez le livre après. Et je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Comme ça, vous ne serez pas déçus par le film. Parce que c'est dommage d'être déçu par le film, parce que c'est un bon film. Alors, le deuxième roman qui a été porté à l'écran dont je voulais vous parler, c'est le roman de Chantal Thomas, L'échange des princesses. Donc, L'échange des princesses, moi, je l'ai lu, tout en sachant que je voulais aller voir le film qui en était tiré. Je me suis un petit peu forcée à le lire
Parce que j'avoue que Chantal Thomas, qui est un écrivain qui a beaucoup de succès, qui a eu beaucoup de prix littéraires, et moi, un écrivain qui ne m'emballe pas. Ses romans ne m'emportent pas dans son monde, et celui-là comme les autres. J'avais trouvé le sujet intéressant, mais ce que je n'ai pas aimé, et ce que fait souvent Chantal Thomas dans ses romans, c'est que il semblerait qu'elle est partagée entre son rôle de romancière et son rôle d'historienne. Alors, on a le roman, et puis tout d'un coup, le roman s'interrompt et on vous donne, on vous met, on vous cite des documents d'archives, des documents d'époque, comme des lettres du régent ou des extraits d'un rapport de ministre. Et puis ensuite, le roman reprend. Et moi, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup, que je n'aime pas du tout même. Parce que je trouve que ça casse le rythme romanesque et que ça m'empêche de rentrer dans l'intrigue, d'être complètement plongée dans l'intrigue romanesque et d'apprécier vraiment la partie romanesque du livre. Certains peuvent aimer ça c'est quelque chose qui m'est tout à fait personnel. Moi, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, qui m'empêche d'apprécier le roman. D'ailleurs, vous verrez, si vous regardez d'autres vidéos où je parle des livres, que moi, je n'aime pas tellement les genres qui sont bâtards. Ou j'aime bien le roman policier, mais il faut que ce soit un roman policier. En ce moment, par exemple, c'est assez à la mode de faire intervenir dans les intrigues policières du fantastique. Moi, je n'aime pas du tout ça. J'aime pas quand on mélange les différents genres littéraires. Et surtout, non seulement j'aime pas, mais je trouve que c'est assez rarement bien réussi. Donc voilà, c'est un goût tout à fait personnel, c'est un ressenti tout à fait personnel, et vous pouvez tout à fait vous aimer le roman parce que c'est un roman très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur l'époque, sur les mœurs, sur les personnages historiques. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses en le lisant, mais moi je trouve que ce mélange entre archives et romans, ça m'empêche d'être captivée totalement par le roman et d'aimer vraiment. Donc, un peu déçue par le roman, mais ça, je m'y attendais parce que j'ai déjà lu des œuvres de Chantal Thomas et à chaque fois, j'aime pas trop. Donc, je suis allée voir le film et alors, je dois vous dire que le film, j'ai adoré. J'ai adoré parce que bien, j'adore les films en costume et celui-là est somptueux. Il y a des éclairages somptueux, il y a des clairs-obscurs magnifiques, il y a des images formidables, les costumes sont extraordinaires, certains passages sont tournés à Versailles. Vraiment, si vous aimez les films en costume et les films historiques, allez le voir, vous allez vous régaler. J'ai trouvé que tous les acteurs étaient extraordinaires, qu'ils jouaient très bien. Un petit défaut peut-être, la princesse française qui va devenir reine d'Espagne est peut-être un peu trop moderne par rapport au reste, que ça soit son physique ou que ça soit les dialogues qu'on lui a confiés. Je trouvais que c'était parfois un petit peu anachronique. Je pense que c'était voulu pour montrer sa révolte, pour montrer qu'elle ne rentre pas dans le moule de l'époque. Mais je trouve que c'était quand même un petit peu anachronique par moment. Pas toujours, mais par moment. Donc ça, c'est le seul petit bémol que je mettrais au film. Mais franchement, c'était un ravissement pour les yeux. Des acteurs qui sont extraordinaires. Et des images formidables. Vraiment, je me suis régalée. En plus, le metteur en scène a un petit peu transformé l'intrigue. Il a transposé, bien sûr, le roman pour le mettre en film. Et il y a des choses que j'ai beaucoup appréciées parce que quand la jeune princesse française qui devient reine d'Espagne devient un petit peu folle, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Le film ne décrit pas trop cette folie. Il y a un petit passage qui l'évoque, mais ce n'est pas décrit complaisamment. Alors que dans le livre, l'auteur s'attarde un peu trop, à mon goût, sur le comportement de cette princesse. Et j'ai trouvé ça un peu voyeur, ça m'a un petit peu gênée parce qu'on a bien vite compris, on n'a pas besoin
de s'attarder aussi longtemps là-dessus. Ça m'avait aussi un peu déplu dans le roman. Et dans le film, bien que ça soit évoqué, c'est évoqué très légèrement. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, alors que ça ne figure pas dans le roman, c'est que le réalisateur nous dit ce que sont devenues ces deux princesses par la suite. Et ça, c'était intéressant de savoir que l'infante espagnole était devenue reine du Portugal, ce que personnellement je ne savais pas. Voilà, je vous engage vraiment à aller voir ce film et vous pouvez lire le livre avant parce que finalement, bien que le film soit assez fidèle au roman, il en est aussi assez différent. Je pense que vous verrez deux choses qui parlent du même thème, mais qui sont un petit peu différentes l'une de l'autre et que vous ne serez déçus ni par l'un ni par l'autre. Voilà, cette vidéo qui traitait pour la première fois du roman au film est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce levé. Et si cette chaîne vous intéresse, merci de vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis, faites de belles découvertes, de belles lectures.